Elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une super anecdote, super marrante à raconter. Bon tête nous on raconte mal ou c'est toi qui s'est raconté. C'est comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer un bras et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard c'est pas chaud pour rien, moi ça. Peut-être qu'il y a des hélicoptères. Ah bah non, tu l'as fait avant hier. Passe. Tu as appelé Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller. C'est bien sympa, ce Bernard, il en a une idée. Et même s'il est trop fort, il nous jouera une petite chanson. Et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue. Une altère dans une main, de l'autre il a écrit les poèmes. Il a écrit le Coran comme un soutra les livres de poche. Mais ça personne peut le prouver, à part peut-être Bernard Lavillier. T'as déjà lu tous les bouquins, pour en lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavillier. T'as même écrit une tape sur des bambous, mais tu sais, ça nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, de Jean-Jacques Goldman, de Garcy Mormet. En moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Oui. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle Bernard, moi je viendrai te chercher avec tous tes enfants. On se donnera la main et on fera une chaîne de l'amitié, ouais, tout autour de la terre. Bernard Lavillier. T'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavillier. À moitié stéphanois, à moitié espagnol et à moitié Je suis un mauvais départ dans la vie. Je suis né à Roubaix un jour où il faisait gris. J'étais de l'autre côté des grillages de la bourgeoisie. Mais j'ai très vite été le sein de l'anarchie. Je suis un vaurien, ce qui n'est rien. Je fais les bastons, je suis jobon. À faire des méchancetés. Un jour j'ai trouvé une arme dans une bagnole. Je me suis dit mais qu'est-ce que pistole. Qui me diront quoi? Comment que c'est que ça marche? Moi j'entrave que dalle, j'étais le dernier au clash. J'suis un vaurien, ce qui n'est de rien. J'fais des bastons, je suis chopon. Causé du social en mort. J'en volais les grands-mères, je piquais au gratteux. Mais on ne fait pas d'omelette, ouais, sans casser du vieux. Mais un jour devant là, la télé d'une vieille bique, j'ai trouvé ma lumière. Le patinage artistique. Ouais, c'est vraiment beau. Ah, ça me fait rêver. Les ensembles fluo. Hey, juste en temps fighté. J'ai troqué mes rôles jaunes noirs pour faire mon patinoire. Vendu mes soins dans nos risques. Seulement fort, la, accordé l'euro, lolo, trophée Mico, je patine à la trop vite, 6-8-6-0, je suis un moyen, les doubles bouches, je fais pas bien, je fais du patin, je vais t'en faire un, mort au con, qui n'aime pas le patinage, God save the Queen, on voit l'idée, oh nice, no. Sans triple loose piqué, l'anarchie c'est un double accès raté. Je suis un moyen, la double bouche je fais pas rien. Je fais du patin, je vais t'en faire un. Oi, 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 l'idée oh nice. Y'a des rires. Alors ils se battaient comme ça c'était bien. Après les fans disaient, j'ai pas de pétition. Allez donc.
allait boire un coup au café, il ne pouvait pas, parce qu'il en avait pas. Alors il préférait se battre, mais pas contre la banlieue, parce qu'après le périphérique, il n'y avait pas la banlieue. C'était que des fermes et des champs, c'était la campagne. Il n'y avait que du moisi. Les hommes très préhistoriques qui vivaient plutôt en Isère. Ils avaient pas les années d'années qui n'avaient pas vraiment les crottes de la scoule. Leurs armes étaient très, très violentes. J'aime bon nom. Oui, bien sûr, t'es comme tout, je souris volante. Et contre les dinosaures, il fallait beaucoup qu'ils s'occupent. Donc ils s'occupent volante, Après, ils ont appris leur super pouvoir spécial, et puis ils les ont appliqués contre les tyrannosaures. Et ils leur ont vraiment tout bousillé leur gueule, car ils n'en avaient plus. Alors ils étaient contents, mais ils s'emmerdaient. Alors ils ont appris leur super pouvoir spécial aux Chinois, pour qu'ils puissent faire des films de karaté. Sinon, comment ça se fait que les Chinois ils savent faire des films de karaté si personne leur a fait dire. Les hommes des vivaient dans l'anarchie. Les emballés politiques, c'est tous des pires. Tous des pires.